La 4 chevaux Renault. Voulez-vous monter ? Confortablement installé ? Alors, allons-y. C'est la voiture maniable, facile à dégager. La voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Et voilà, au volant d'une 4 chevaux, on est tout de suite à son aise. Il n'y a pas au monde de voiture plus féminine, plus facile à conduire. C'est aussi la voiture de l'homme d'affaires qui n'a pas de temps à perdre. Quel démarrage! Quelle accélération! Quelle sécurité! Elle grimpe remarquablement. Et ne chauffe pas en montagne. Je vous passe le volant. Alors bonne route, je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Et seulement 6 litres aux 100 km. Renault 4 chevaux. Lorsque la guerre prend fin en 1945, la France manque de tout et en particulier d'un moyen de transport économique. C'est ce qu'ont prévu dès le début des hostilités quelques ingénieurs chez Renault qui, autour de Fernand Picard, ont travaillé clandestinement au projet 4 chevaux. Du fait des pénuries, il s'est agi pour eux de réaliser une très petite voiture, économe en carburant. Mais pour accueillir 4 passagers dans des conditions décentes de confort, on adopte la solution originale à l'époque, du moteur à l'arrière. La motte de beurre. Lors de sa présentation au salon de 1946, la 4 chevaux, première voiture de la nouvelle régie Renault, est la proie des chansonniers et des acheteurs. On la surnomme motte de beurre à cause de la couleur jaune des premiers exemplaires. On moque son absence de moteur à l'avant et sa taille ridicule pour l'époque. Mais on se rue sur les rares bons de commande et ses délais de livraison s'allongent dramatiquement. Familiale et même sportive. Malgré sa tenue de route parfois hasardeuse, la 4 chevaux fait en effet des prodiges en compétition, participant même aux 24 heures du Mans ou au rallye de Monte-Carlo. Sa carrière s'achève en 1961, lorsqu'elle cède la place à la Renault 4, plus proche par sa conception de sa concurrente directe, la 2 chevaux Citroën. Voici ses caractéristiques. Moteur, 4 cylindres en ligne, en arrière des roues arrière. Cylindré 747 cm3, soupape en tête, un arbre à cam latéral, puissance réelle 21 chevaux à 5000 tours minute, un carburateur simple corps. Transmission, direct aux roues arrière, boîte de vitesse à 3 rapports. Dimension, longueur 3,60 m, largeur 1,43 m, pour un poids à vide de 615 kg. Ses performances, vitesse maximale 95 km/h. La version découvrable de cette 4 chevaux, 1952, en fait une véritable petite voiture de luxe que la finition et la rareté rendent particulièrement recherchée des collectionneurs.